Mais c'est quoi ces conneries? Qu'est-ce que tu fous là, toi? Je suis le Captain Cinéma, je suis là pour éradiquer les mauvais films avec... Ouais, ouais, non, mais j'ai vu la vidéo, hein, c'est bon, hein. Mais t'es quoi au juste? Qu'est-ce que tu fous là? Je suis un esprit venu des temps anciens. Jadis, je chassais le sanglier à l'aide d'une sarbacane, jusqu'au jour où un écureuil magique est venu m'apporter mon bouclier. Je vois que tu ne me crois pas, c'est dommage, car j'aimais bien cette histoire. Mais non, mon petit Thomas, je suis toi! Toi! T'es qu'un putain de gros schizo! Et moi, je suis toi! Toi, tu es moi! Bon, allez, je te laisse, j'ai pas que ça à foutre, moi! Allez, médite sur la question! Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Captain Cinéma. C'est bientôt l'hiver, on se les caille, alors quoi de mieux qu'une petite sortie cinéma pour se réchauffer? En plus, ça ne vous aura pas échappé, mais en ce moment, on croule sous la pub pour le prochain Star Wars. Le 7ème film d'une saga, si ce n'est LA saga la plus populaire de l'histoire du cinéma. Et même si la franchise a été rachetée par Disney... Je suis ton père, Mickey. Non. Moi, je suis de nature optimiste et il me tarde de voir ce que ça donne. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Des films qui ont essayé de parodier l'univers de Star Wars, il y en a eu un paquet. On peut citer Spaceballs, parodie réalisée par Mel Brooks et qui est très réussie, ou encore Turkish Star Wars, qui fera sans doute l'objet d'un prochain épisode. Mais non, on n'est pas là pour parler de ça non plus. Star Wars Holiday Special, aussi appelé Au temps de la guerre des étoiles en français, est un téléfilm américain de 1978. Sa particularité, c'est qu'il regroupe la majorité des acteurs originaux de la saga. On retrouve Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie Fisher, ou encore Peter Mayhew dans le rôle de Chewbacca. L'histoire se déroule juste après le premier film, sorti un an plus tôt, et raconte l'histoire de la famille de Chewbacca qui prépare une grosse fête. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Avant d'entrer dans le vif du sujet, une petite citation. J'adore ce moment. Si j'avais du temps et un marteau, je traquerais chaque copie pour la détruire. Round one. Évidemment, un bon nanar est un nanar qui a un scénario bancal. Et le problème de ce film, c'est que finalement, ben le scénario... Y'en a pas! En gros, Han Solo et Chewbacca sont perdus dans l'espace, et la famille de Chewie essaie de s'occuper en attendant le retour du Wookiee de la famille. Et là... Le scénario en 10 secondes... Du coup, maman Wookiee fait la cuisine. Je vais voler ton âme. Après, il se passe plein de choses, et puis à la fin, il y a Chewbacca qui revient, et les Wookiee vont exploser dans le soleil. C'est le scénario en 10 secondes... Mais arrête, c'est pas vrai, ils explosent pas à la fin! En es-tu seulement sûr? 1-2. En fait, les personnages principaux comme Han Solo, Luke, Leia apparaissent 5 minutes chacun pour faire un petit caméo. Et comme il fallait bien tenir une heure, eh ben il a fallu meubler. Je me demande où nous sommes allés mettre les pieds. Du coup, deux choses. Premièrement, on a droit à la famille de Chewbacca et son jeu d'acteur toujours majestueux. Mais tu vas arrêter avec tes putains de bois. Moi j'aime bien. Et deuxièmement, à part les attardés à fourrure, on a des humoristes américains qui viennent faire des petits sketchs. On sent qu'ils ont beaucoup bossé. On s'amuse. Et... de la drogue, je pense. Non mais ça va putain, c'est quoi ce bordel? J'ai pas payé pour ça moi. On peut pas prendre un autre film parce que ça commence à me les briser. En plus moi je commence à en avoir marre, tout le monde fait que parler de ça. Bon, tu vas la fermer grand con? Laisse faire les professionnels. Salut les enfants, surtout n'écoutez pas ce qu'a dit le vieux monsieur. Parce que moi je vais vous expliquer pourquoi la drogue c'est positif. Alors premièrement, ça développe votre démarche artistique. L'équipe de Captain Cinéma s'excuse pour cette interruption momentanée de votre programme. Oh ça va, si on peut plus déconner. Vous prenez tout au premier degré, vous regardez trop la télé les enfants. Mais le Captain Cinéma a toujours quelque chose pour vous apprendre la vie. 1-3. Et oui, approchez-vous les enfants, c'est l'heure du dessin animé. Et c'est pas comme tous vos dessins animés de consanguins avec des clébards qui se prennent pour des Power Rangers et des voitures qui parlent. Là, on parle d'un vrai dessin animé Star Wars, ma gueule. Parce que oui, au milieu de toutes ces conneries, on a une séquence d'animation d'une dizaine de minutes, dans laquelle on retrouve la première apparition de Jango Fett. Les amateurs de la saga apprécieront. Et ça va peut-être vous étonner, mais cette animation, elle est vraiment sympa. Et ouais putain, qui a dit que le capitaine pouvait pas proposer un petit peu de la qualité aussi?
Captain sait faire du bon navet. Les graphismes sont très années 70 dans le style, ce qui est plutôt classe, et on se retrouve finalement avec la partie du film qui est la plus sympa, et de loin. Bon, ok, Han Solo ressemble au mec de la pub Red Bull et R2-D2 a des petits problèmes. Nique la physique. Mais on a enfin une vraie histoire sympa avec tous les personnages principaux, et l'animation permet de masquer le manque de budget du film, ce qui est pas plus mal. C'est perché, c'est kitsch, mais on passe un bon moment, et quand tu compares aux extraits réels, ben y'a pas photo. Mais c'est quand même un bon gros nanar. Et moi, ma mission n'a pas changé. Éradiquer les mauvais films de la surface de la Terre pour fendre les navets avec moult barbarie. Chewbacca, tu passes à la casse. Ah putain, il est lourd lui. Et ça va encore être à moi de conclure. Car oui, c'est déjà fini. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci à tous d'avoir répondu présent et je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, pistache. Abonne-toi à ma chaîne et fais tourner la vidéo, hein, parce que les drogues, c'est le mal.